Hi bitches! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bref. Mais en gros c'est qui se connaît le mieux entre nous deux. Bref. Anyway. Et bref. En gros on va se poser des questions. Je vais répondre à mes propres questions, celles aussi. Et on va savoir en mode qui connaît le mieux l'autre. Par rapport aux questions qu'on a posées. Voilà, donc on espère que la vidéo vous plaira. Et du coup on vous laisse avec la suite. De tous les temps, bah, c'est Harry Waters évidemment. Et du coup, en deuxième film, j'ai grave galéré, je savais pas. Je voulais mettre ou Tu ne tueras point ou Danish Girl, même si j'ai vu grave d'autres, mais là franchement, l'inspi voilà. Et j'ai créé Tu ne tueras point. Je pense que le film que t'as mis en premier, c'est Harry Potter évidemment. Et que le deuxième film moins obvious, c'est. T'es qu'est-ce que j'ai dit toi? J'irais peut-être Tu ne tueras point. Je sais pas du tout, j'irais Tu ne tueras point. Ensuite, bah, du coup, mon appli réseaux sociaux fav, du coup, bah, c'est Instagram. C'est assez évident, l'application que, voilà, que t'aimes le plus, je sais pas quoi, non, c'est Instagram, obviously. Obviously, c'est Game of Thrones. Après, pour la deuxième série, c'était grave chaud, parce qu'il y en avait grave, genre. Du coup, j'ai mis, je voulais mettre genre, peut-être Once Upon a Time, Peaky Blinders, Black Mirror et tout. Et du coup, bah, là, sur le vif, la première que j'écris, bah, j'écris Black Mirror. Voilà, parce que voilà, je sais pas pourquoi, mais ouais. Donc Game of Thrones, forcément. Mon Stranger Things c'est dedans, mais on a dit qu'on en comptait pas pour la deuxième plus obvious. Du coup, je pense que tu as mis. Après, c'est super dur. Parce qu'en fait, il y en a plein. Il y a Once Upon a Time, il y a Orange is the New Black, il y a American Horror Story, mais t'as pas terminé, donc je pense que tu l'as pas mis dedans. Je n'ai aucune idée. Là même là, je suis même plus sûre de ma réponse en fait. Moi aussi. Je trouve que je l'ai trop glow up en deuxième série. Après. Je verrai si tu répondras et je mettrai. De toute façon, je te mettrai le point ou pas. Série, je dirais Once Upon a Time. Je sais pas. Certainement, je mettrai Once Upon a Time. Mais je sais pas. Si t'as mis ça. Donc Once Upon a Time. Après, talent caché, j'appelle pas ça un talent. C'est pas du tout un talent, mais en gros, je dessine un peu. Voilà, je dessine un peu. Ouais, d'ailleurs, j'ai ouvert une chaîne, enfin, un compte Insta pour mes dessins. Ensuite, un talent que t'as caché, bah, j'irais dessiner. You Americans, j'en ai pas mis. Et du coup, en française, j'ai mis Léa Seydoux. Parce que même si j'ai pas vu beaucoup de films d'elle, je l'aime trop. Genre, je sais pas, ma pioux un peu. Genre, personne l'aime, mais moi je l'aime trop. Genre. Et sinon, j'ai mis Camille Cotin. Cotin, c'est donc la meuf de 10% ou de Connasse, ou voilà, que j'aime trop, bref. Genre actrice. Alors il y avait française américaine, donc je pense que t'as mis. J'ai pas mis américaine. Je dirais qu'en française. Je sais pas, l'actrice qui joue. Je peux dire, elle joue dans quoi? Alors je sais pas du tout. Alors j'en ai. J'hésite entre deux. J'hésite entre. Après elle, je pense qu'il y en a une, je pense que tu l'aimes bien. Va dire que c'est ton actrice fave. J'ai besoin d'explanation si elle est dans. Donc celle-ci que genre vraiment si tu as mis, je serais choquée. Donc Léa Seydoux. Et sinon celle-ci que je pense que tu as mis. Je pense que c'est la meuf qui joue Connasse, qui joue dans 10%. Et je sais pas son prénom. Donc voilà. On mettra son nom ici parce que je sais pas son nom. En acteur, obviously, bah Johnny Depp et Pierre Niney. Si on aurait mis d'autres, j'aurais mis. Andrew, j'ai envie de l'appeler Andrew Garfield, mais je sais pas si c'est ça. C'est ça. Andrew Garfield, c'est ma piouque, c'est celui qui joue du coup dans Tu ne tueras point, dans The Amazing Spider-Man. Ma vie, bref. Ensuite. Leonardo DiCaprio, Jim Carrey. Ouais, c'est vrai. L'acteur mec, je pense que ça c'est obvious. Je pense que t'as mis Johnny Depp américain et je pense que t'as mis Pierre Niney français. Ensuite, du coup, en Disney Fab, j'ai mis L'étrange Noël de Monsieur Jack, parce que c'est ma vie. Mais sinon, à part ça, j'aurais mis Hercule en vrai, je pense. Ou la princesse et la grenouille. Mais Hercule m'a pioux quand même, bref. Oh, Aladdin. Ciao. Je pense que t'as mis L'étrange Noël de Monsieur Jack. Obviously. En soi j'en ai bien aimé d'autres, mais celui-là ma vie. D'ailleurs si vous voulez savoir ce qu'on a vu, bah je vous mets dans le petit i, on a sorti une vidéo sur ça. Anyway. Rick and Morty. C'est assez obvious ceci. J'avoue. Ensuite en manga fave, j'ai mis bah, Death Note quand même, genre Bay Bay Bay. Et après j'ai mis Tokyo Ghoul. Et après si j'en rajoutais en troisième, j'ai hésité entre Erased et My Hero Academia, mais j'ai quand même mis My Hero Academia parce que... Choto. Le premier, oui, mon Death Note.
Et le deuxième, Tokyo Ghoul, je pense. Tokyo Ghoul. Dernier truc que j'ai lu, donc j'ai lu deux trucs parce que voilà, donc j'ai lu Vogue décembre, ou Vogue octobre, mais du coup je me suis dit je le mets pas. Mais sinon j'ai lu My Hero Academia 3, et je dirais My Hero Academia 3. Parce que je pense pas que t'aies commencé, avec 4, que tu l'as acheté, mais je pense pas que tu l'aies commencé. Donc j'irai à My Hero Academia 3. J'ai mis Netflix, j'ai mis des trucs à lire, donc j'ai mis genre manga ou magazine, tu vois, genre voilà, des trucs comme ça, téléphone et musique. Donc j'en ai 4, pas 5, comme ta gueule. Sinon j'ai mis 5, j'ai mis internet, parce que tu vois, logique, mais un peu chiant. Ouais. Film, série, musique, téléphone. Film, musique, série, téléphone et make-up, je dirais. Genre, best goal ever, c'est les Reese's, genre. Voilà. Ensuite, la friandise sucrée que tu préfères. Je dirais les Reese's. Un truc salé, bah les chips, vraiment. Rangez tout vous-même, toutes les friandises, genre, les chips, genre. Moi, je veux un gâteau de chips, tu vois ce que je veux dire? Bref, ma vie. J'irai les chips. En super pouvoir, donc je veux la vitesse. Pourquoi? Parce qu'en gros j'ai vu Flash, donc je suis influencée, mais en gros, tu peux tout lire vite, tu peux aller où tu veux vite, mais. Et après du coup il y avait la téléportation parce que j'aime pas les transports en commun, ça me pète les couilles. Je sais pas, je trouve que ça sert à rien, genre téléportation quoi. Je pense que ça serait l'intelligence et la rapidité. Le gros défaut, c'est parce que genre je suis tout le temps stressée. Je suis stressée genre pour R. Genre vraiment, genre les gens viennent me parler, je vais stresser, bref. Genre je suis stressée pour rien. C'est ultra chiante quoi, mais après c'est pas un défaut quoi. Et ouais, t'es enquiquinante, que dis-je, tu vois. Je dirais que t'es impulsive, voilà, impulsive. Ça c'est ma réponse, voilà. Je dirais que t'es impulsive dans certains cas, pas tout le temps, mais dans certains cas t'es impulsive. Après, ma pire phobie, enfin j'ai pas de phobie, mais un truc qui me panique à mort, c'est que genre quelqu'un puisse entrer par effraction dans ma maison. Genre ma phobie, genre vraiment. Genre j'entends un bruit, genre. Bref, moi aussi, si c'est pas ça, j'ai besoin d'explications. Pour moi, c'est le vertige. Enfin, c'est pas vraiment une phobie, mais bon, c'est une peur, tu vois. Je pense que genre c'est d'être ouverte d'esprit dans le sens en gros, genre. D'être ouverte d'esprit, ouverte à la discussion, genre tu peux me parler de tout, il y a pas de problème, tu vois, genre ouverte d'esprit quoi, voilà. Ensuite, la meilleure qualité, je pense que c'est le fait d'être ouverte à plein de nouvelles choses, genre en gros, je sais pas si c'est, en gros le truc c'est que il y a, putain, en gros quand il y a des trucs nouveaux qui arrivent, et bah t'es pas en mode direct, en mode, tu vois ce que je veux dire, je sais pas comment expliquer, je sais pas comment on appelle ça comme, comme qualité. C'est la plupart du temps quand je rencontre quelqu'un, je déteste, mais je déteste les gens qui se prennent pour je sais pas qui, genre qui prennent les gens de haut, genre c'est les gens qui prennent les gens de haut, et les personnes, et en deuxième truc, les personnes qui sont pas respectueuses, donc qui sont pas polies, qui sont pas respectueuses, donc qui respectent pas les gens qui les entourent, tu vois, donc en fait pas respectueux ça englobe plusieurs choses, tu vois, aussi les gens qui s'acceptent pas la différence, du coup ils sont pas respectueux, enfin bref. Les connards quoi, bref, bon, en fait je sais pas si c'est trop obvious ou pas comme truc. Après c'est genre les personnes genre pas du tout ouvertes d'esprit, donc quand je dis ça c'est genre raciste, homophobe, les trucs comme ça et tout. Et je dirais, on m'avait dit deux, et je dirais les personnes qui sont en gros, les personnes qui sont trop dans le jugement, genre ceux qui vont regarder mal, etc et tout, non. Je dirais ça. C'est des trucs grave bateau, mais voilà. Et genre mes 18 ans, je sais pas, j'ai bien aimé mes 18 ans, j'étais en mode pioups. Mon bac quand même, parce que voilà. Et j'ai mis mon code, mais en souhait, je m'en battais un peu les couilles quand je l'ai eu en vrai. Donc en vrai, je vais plutôt mettre la chaîne YouTube. Parce que en vrai, le code. Voilà. J'irai l'ouverture de la chaîne YouTube. Et le fait que on avait la chaîne YouTube, le fait que t'aies eu ton bac, et le fait que genre la rentrée à l'université, genre le système universitaire finalement. C'est vraiment des. Sincèrement, j'ai pas d'autres idées, donc je veux dire ça. C'est des trucs trop nuls que j'ai mis, genre. J'ai mis à faire ma marque de vêtements. Bon, ça c'est grave bien, tu vois. Avoir une marque de vêtements et tout. Mais du coup, je veux changer mes trucs.
d'un coup, voilà. Donc je fais des marques de vêtements et j'aimerais bien ouvrir, c'est trop bizarre, mais en gros une librairie et en même temps qu'il fait librairie et salon thé et marques et vêtements aussi en même temps. Genre une grosse boutique grave bien, enfin bref j'imagine un truc, laissez-moi vivre ma fantasy. Et après j'avais mis, en fait à côté j'avais mis deux trucs nuls, mais du coup j'avais mis avoir un putain de dressing, sa mère, tu vois, en mode, tu vois, baby. Et j'avais mis avoir une tonne de mangas parce qu'en fait ça me stresse parce qu'en gros j'ai pas beaucoup de mangas, tu vois, enfin, si j'en ai pas mal, mais j'aimerais bien en avoir beaucoup, mais partout. Voilà. Et voilà, j'aimerais avoir fait avant bah, de mourir, j'irais avoir fait... Bon désolé les gars, ça a coupé, du coup mes réponses étaient créer une marque de vêtements, créer une marque de cosmétiques. J'ai mis 0,75 sur 1 pour la question 11 parce qu'en gros t'as mis série film, moi j'avais écrit Netflix donc voilà j'ai mis Netflix série film. Après t'as mis téléphone musique mais du coup j'avais écrit livre, manga et tu l'as pas dit. Du coup j'ai mis 0,75 sur 1. Ok, ensuite pour les super pouvoirs bah du coup j'avais dit vitesse et téléportation, tu avais dit vitesse et intelligence, donc voilà. Du coup après je t'ai mis Xerox, quelle question ? Pour mon plus gros défaut du coup. Je t'avais dit quoi déjà? Je me souviens pas, mais t'as pas dit que j'étais stressée. C'est pas ça. Ah oui, j'avais dit impulsive. Pourtant, c'est vrai, elle est impulsive. Non. J'ai raison. Non. J'ai totalement raison. Je suis pas impulsive, comment si, pas... frère. Non, non, j'ai dit à certains moments. Pour certains moments, tu es en mode ok, t'es voix pour des trucs, genre tu casses les couilles, genre. Non, grave pas. Hein. Si, t'es impulsive. Non, grave, je suis pas impulsive en fait. Et pour ça, pour ma phobie, en soi, le. Est-ce que j'ai entendu ce qu'elle a dit? En soi, le vertige. En soi, oui, ok, tu vois, mais Non, mais en soi, parce que frère, sinon. Non, mais moi, il y a une condition. Attends, j'avais pas mis stressé parce que moi, j'ai pas avancé, ok. Sinon, si j'aurais pensé, j'aurais mis stressé, tu vois. Mais sinon, on a peur. Le vertige, genre. Bah, en soi, non, mais j'ai le vertige. J'ai raison, j'ai pas raison. Non, mais j'ai raison, j'ai pas raison. Attends, le vertige, j'ai le vertige. Quand je suis pas assurée par moi-même et quand je suis par contre, genre avec Céline, j'avais genre une tyrolienne qui était à genre 350 mètres de hauteur. T'es pas sereine? Non, ça va. Et genre là, j'avais pas le vertige en soi. Bah oui, mais ça change une seconde. Voilà. Quand je suis sur un espace pas stable, tu vois? Oui. Genre un pont de singe. Ou genre un pont de singe. Un pont de singe. Genre une cabane. Dans... Mais le vertige quand même, c'est dans, dans une cabane dans les bois. Non, parce que t'en fais plus chez les gens, bah t'as pas dit ça. T'as mis en mode. En gros t'as fait insinuer pas respectueux, du coup je t'ai mis 0,5 mais t'as pas dit que les gens qui prennent de haut, t'as vu, elle a pas dit ça. Ouais, je pensais pas que c'était un truc qui te saoulait, genre. Si c'est, je sais que ça saoulait, mais genre pire qualité ever, enfin ah, non, pire défaut ever, je pensais pas que c'était autant, genre. Parce que en soi, genre, les personnes qui ont des défauts, je peux essayer peut-être de vivre avec, tu vois. Ouais. Genre peut-être voilà, tu vois, bon après les gens après genre impoli, j'aurais pas posé non plus quoi. Ouais, non, mais respectueux, ok, sur certains points. Oui, mais pas respectueux, pour moi il y a impoli, il y a tout dedans, oui, tu vois. Oui. Mais genre par exemple, il y a une personne qui va me prendre de haut, bah je sais que direct je pourrais pas être pote avec. Oui, ouais. Tout mais je pensais pas que c'est une des pires en fait, parce qu'en gros oui, genre, mais je pensais pas pour toi. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Genre en gros, je vais arriver, la personne va me dire ah, ouais, t'es qui? Bah je serai le même. Alors en gros, t'as mes trucs. Trois mots préférés, t'as dit que le bac que j'avais écrit, mais du coup code, mes codes j'ai changé du coup, donc en vrai donc je te mets deux tiers en vrai, donc en gros t'as plus en vrai. Ok. Du coup, après en 20, du coup j'avais mis des trucs, mais en soi les trucs que t'as dit ils sont justes aussi, je trouve. Encore.